Bonjour à tous and welcome to learn french with Vincent. I hope you're ready because we will start right now. Vocabulaire, phrases et expressions. Okay, so let's start now. À demain. So I'll try to make, you know, these intonations that normally we tend to make in french, okay? So à, à demain. All right? À demain. À quelle heure commence So normally when you get a question like that you should raise your voice a little bit at the end you à quelle heure commence and then you continue the sentence okay à quelle heure commence à quelle heure est le dernier train à quelle heure est le dernier train à quelle heure est le dernier bus okay keep in mind you should pronounce this à quelle heure est le dernier bus? À quelle heure finit? And then, continue the, the sentence, okay? À quelle heure finit? À quelle heure l'hôtel de ville est-il ouvert? À quelle heure l'hôtel de ville est-il ouvert? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Appelez-moi un taxi s'il vous plaît. Okay, never forget to use this s'il vous plaît, this please thing because French people can be quite tricky if you don't use this s'il vous plaît, okay? So, appelez-moi un taxi s'il vous plaît. Asseyez-vous. Okay, remember we've got this y so asseyez-vous. Asseyez-vous. Attendez ici s'il vous plaît attendez ici, s'il vous plaît. attention. okay, even if we get this double t, well, it's only one. attention. okay, and sion here, sion. attention. au revoir. au revoir. we tend to pronounce it like au revoir. au revoir. aujourd'hui, il fait mauvais. Aujourd'hui, it's a tricky, tricky word this one. Look, aujourd'hui. Keep in mind that the H doesn't exist. Aujourd'hui, il fait mauvais. Okay, you can add this mauvais temps if you want, but then you can say mauvais like that. Aujourd'hui, il fait beau. Okay, remember EAU, but then phonetically O. Oh, il fait beau avec plaisir. avec plaisir. avez-vous aimé? and then you continue your, your question. avez-vous aimé? you can make the liaison if you want. avez-vous aimé? avez-vous aimé? avez-vous faim? avez-vous faim? remember that here, even if you write it a-e-m, phonetically it's un. faim okay avez-vous faim bienvenue okay so i did put the feminine version like here so remember that bienvenue written like that should be for a man bienvenue written like that with a should be for a woman okay and then if you get the plural form then you get this s feminine plural E uh, S, okay. Phonetically, the good thing is that you pronounce them the same way, and it goes like bienvenue, okay? Don't insist on this. Uh, bienvenue. Bonjour, classic one, but still quite useful. Bonjour. Bonsoir. Oui, s'il vous plaît. Pardon. Désolé. Ok, so it's quite useful. Just imagine you push someone, you're doing something not really nice to someone, then you should use this pardon or then désolé. Pardon. Comment? So this sorry, so if you want someone to repeat, for instance, pardon. Comment? Parlez-vous anglais? quite useful if you want to know if the person is speaking english parlez-vous anglais okay so here you've got the verb parler hein, to speak or to talk parlez-vous and then you put the subject after parlez-vous anglais permettez-moi de me présenter permettez-moi de me présenter pourriez-vous l'écrire s'il vous plaît Pourriez-vous l'écrire, s'il vous plaît? Pourriez-vous m'accompagner jusqu'à. continue. La gare, the station. And then le restaurant, jusqu'au restaurant. Pourriez-vous m'accompagner jusqu'à. Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Pourriez-vous... So, you can see that here, we really do have this could you, ok? So, pourriez-vous... And then parler. Plus lentement, s'il vous plaît. Pouvez-vous appeler un médecin, s'il vous plaît? Pouvez-vous appeler un médecin? Remember, this E is not really pronounced. Med, médecin, s'il vous plaît. Que désirez-vous? que désirez-vous que s'est-il passé que s'est-il passé que s'est-il passé quel bus faut-il prendre pour aller à and then you continue your sentence here quel bus faut-il prendre pour aller à Quel est votre passe-temps favori? Okay, in some cases maybe you will hear French people use this hobby. Okay, so we just take the same word, but then you pronounce it the French way, hobby. Okay, but then we've got this word and it does exist, so why not using it? Passe-temps. Okay, quel est votre passe-temps favori? Quel temps fait-il aujourd'hui? So remember, if we change the order like we do here, because it's a question, you've got to make this little liaison between the two. Fait-il? Fait-il? Quel temps fait-il aujourd'hui? Quelle est votre profession? Quelle est votre profession? Okay, so in that case, we use this votre, the polite form for your. Okay, votre profession. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voulez-vous manger? Voulez-vous manger? So I can que see that I raise a little bit the voice at the end, not that much, but still a little bit just to give the information that it's a question. So, voulez-vous manger? Cela ne fait rien. So don't insist on the. Ne. Cela ne fait rien. Cela ne fait rien. Cela ne fait rien. Comment? Question. So a little bit. Comment? Comment dit-on? And then you put your word here. En anglais. Comment dit-on? En anglais, comment puis-je aller à? And then your sentence continues, so obviously it should end with the question mark, in point d'interrogation. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? D'accord. D'accord. De quelle nationalité êtes-vous? De quelle nationalité êtes-vous Déjeunons. Okay, so when you use this déjeuner, it's uh, when you take your lunch. Traditionally, we take it uh, at uh, midi, at noon in France, and then dîner will be for the evening. Ensemble, together. Dépêchez-vous Dépêchez-vous D'où êtes-vous? D'où êtes-vous? Enchanté. Enchanté. Okay, so if it's for the feminine form, it will be with a e at the end, but then you don't pronounce it, so it doesn't change anything. Enchanté. Êtes-vous étudiant? Or then you get the feminine form here, étudiante, okay? Êtes-vous étudiant? Êtes-vous touriste Êtes-vous touriste Ok, so you should have this accent circumflex on the top of e, but then when you get a capital, it's, well, technically it should be here, but then it's not. Excusez-moi pour mon retard. Excusez-moi pour mon retard. Il fait très froid aujourd'hui. Il fait très froid aujourd'hui. Il fait très froid aujourd'hui. Il neige. Il neige. So remember that when we use this uh, neiger to snow or then uh, pleuvoir, we use il. OK. J'ai compris. J'ai compris. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal aux dents. J'ai mal aux dents. J'ai soif. J'ai soif. Je m'appelle. Then you put your name. Je m'appelle. Je me sens mal. Je me sens mal. Je ne comprends pas. Remember don't insist on this ne. je ne je ne comprends pas. Je ne parle pas anglais. Same thing here don't insist too much. Je ne, je ne parle pas anglais. Je suis allergique à and then you put the thing after je suis allergique. Here liaisons Je suis allergique à. Je suis content. Or then you can say contente for the feminine form here. De vous rencontrer. Or then it would be possible. Je suis content de faire votre connaissance. Je vais bien. Je vais bien. Je viens de. And then you put the name of the town or the countries. Je viens de. Je voudrais, sorry, je voudrais prendre rendez-vous chez le dentiste. Je voudrais prendre rendez-vous chez le dentiste. Je voudrais visiter. And then the name of the place. Je voudrais visiter. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous invite à. And then you continue. Je vous invite à. Le temps va changer. Le temps va changer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Remember many many letters here, but then phonetically it goes like beaucoup beaucoup merci beaucoup mesdames mesdemoiselles messieurs remember mesdames mesdemoiselles messieurs non merci non merci nous vous invitons and then the sentence continue nous vous invitons où dois-je descendre? Okay, so you you're in a bus, tramway or then subway train. Où dois-je descendre? Où est le bureau des objets trouvés? Où est le bureau des objets trouvés? Où se trouve la pharmacie la plus proche? Où se trouve la pharmacie la plus proche?